Jeune Chambre internationale branche Haïti lance la troisième édition concours TOIP sous thème les 10 jeunes Haïtiens les plus remarquables 2013. Jude Jean-Jacques, président JCI Haïti, qui était parlé dans une conférence pour la presse, a profité de faire un rallye sur l'organisation sous plan international, l'idée qui existait depuis 1915 et qui établit dans plus de 100 pays dans le monde. Jeune Chambre qui a pris naissance en Haïti en 2004 a comme objectif de donner une possibilité pour contribuer au développement communauté et participer dans le changement politique. Jean-Jacques, président Jeune Chambre internationale Haïti. Et la Jeune Chambre internationale Haïti, c'est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans qui se trouvent dans plus de 119 pays à travers le monde. Donc c'est une association qui a pris naissance dans les années 1915 et ensuite, vu les différents résultats que cette association a apportés à travers les changements positifs au niveau des communautés, donc, cette association a gagné et le monde entier. Donc, en Haïti, et cette association a vu le jour dans les années 2004, au cours de ces années-là. Mais à cause de la conjoncture politique, il y a une sorte de désaffiliation du mouvement en Haïti. On a recommencé avec le mouvement en 2006. Actuellement, on a 7 ans depuis qu'on a recommencé avec le mouvement. Nous sommes dans près de 10 départements et 8 départements avec un total de 13 organisations locales. Je dois dire aussi que cette association est une association apolitique où et notre vision c'est d'être le plus grand réseau de jeunes citoyens actifs. D'ailleurs, ce que nous sommes à travers le monde et à travers Haïti. Donc, notre mission, c'est quoi? C'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes afin qu'ils puissent développer ou bien créer des changements positifs dans leur communauté. Donc, à travers ce projet-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons un credo. Donc, ce credo partage ce que nous appelons nos valeurs et à la JCI. Je dois dire aussi que la JCI Haïti, c'est l'association la plus démocratique qui existe à travers le monde. Donc, vous avez, pourquoi je dis ça? C'est l'association qui donne l'opportunité à tous les jeunes de faire des expériences de direction, de faire de l'expérience dans les projets, etc. Donc, vous avez une année pour diriger, vous avez une année pour impacter votre communauté. Par exemple, moi-même qui suis président national de la JCI Haïti, ok? Je n'ai qu'une année pour faire valoir ma compétence et mes talents de dirigeant. Donc l'année prochaine, ça sera quelqu'un d'autre. Donc nous donnons la possibilité à tous les jeunes de faire de l'expérience. À travers nos projets, à travers nos commissions, c'est ce que nous faisons également. Nous donnons la possibilité aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Comment est-ce que nous fonctionnons? Nous fonctionnons à travers les procédures parlementaires. Okay, les procédures parlementaires, donc tout se fait par vote à travers les différentes organisations locales, à travers nos assemblées générales, à travers notre convention nationale qui est la réunion annuelle de l'association. Donc, comme je viens de le dire, la JCI fonctionne par projet. Okay? Et ce sont ces projets qui donnent l'opportunité aux jeunes de faire des expériences. Donc, et à travers nos organisations locales qui existent dans tout le pays, nous sommes dans 8 départements, comme je viens de le dire. Nous avons des projets à travers toutes ces organisations locales. Ces organisations locales, ces projets, on a un directeur de projet, on a un secrétaire, on a un responsable de communication. Il y a tout un ensemble de postes qui permettent aux jeunes de faire de l'expérience.